You've been taught that the birthplace of the human race is Earth, but it's not. Do you know what this will do to people when they find out the truth? I don't think that most people would want to know the truth. I do. Your planet was seeded by a Brass Axe Industries roughly 100,000 years ago. It's one of the most powerful dynasties in the universe. There are three primary heirs. The oldest is Belem. He's the one that controls this planet and wants you dead. I am telling you, I am nobody. You are royalty. What about the girl? Still alive. Bring her to me. When the exact same genes reappear in the exact same order, it is what you call reincarnation. Majesty's life is going to change, if she wants it to. I'm still the same me. Right now, Belem owns the title to Earth. Once you claim it, the Earth will belong to you. I will harvest that planet tomorrow before I let her take it from me. Have you ever seen a harvest? Never. But I've heard they feel no pain. Kill her! You should have told me the truth about why you wanted her. That planet belongs to me. Not anymore. Your Majesty, I have more in common with a dog than I have with you. I love dogs. I've always loved dogs. Here we go. Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer... On divorce. Pardon ? On divorce. Mais qui ça, on ? On, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère. C'est une blague. J'ai réussi. Je comprends pas. Qui part alors ? Moi. Et qui veut la garde des enfants ? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi ? Ma maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça ? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça ? Bah non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux ? Tu veux la guerre ? Non, apparemment, c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi, je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre ? Ah, ouais, je veux la guerre. Donc, tu veux la guerre ? Absolument. Tu fais gaffe, hein. Oh, chouchotte. On a des cours, hein. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait ? Non, c'est bien, c'est... C'est trop court. Mais ça... Oui, mais ça allège. À moins de 2 mètres, ça fait mal. Mais papa ! À moins d'un mètre, oui, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Donc, papa va prendre un appartement juste à côté de chez maman. Bienvenue chez nous ! C'est un cauchemar. Qui t'a donné ? Viens me gifler, là ! Eh ben, ça t'en fera deux ! Ça va, mon cœur ? Tu m'aimes ? Quoi ? Putain ! On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué, quand même. Ouais, t'as raison, ils abusent. Que les jeux commencent ! Ils essaient d'attraper la lumière. Je sais, jamais vous y arriverez, les matous. On n'attrape pas la lumière. J'aimerais mettre un commentaire. Faites venir l'appareil. L O L. C'est vrai que c'est drôle. Et je suis mort de rire. Cette année, est-ce que tu l'as déjà vu comme ça? Jamais. La magie qui leur fait prendre vie s'affaiblit. Teddy et Dexter, ils se comportent tous bizarrement. Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois pas que c'était sa faute. Oh, à moi, Larry, je pardonne le pauvre petit singe innocent. Et il n'a qu'une seule nuit. Ces gens-là comptent sur moi. Pour les sauver tous. Tout pourrait disparaître et ne jamais revenir. Il faut qu'on aille à Londres pour régler ça. Tu sais que tu serais perdu sans nous, Gigantor. Dans mes bras. Hello, bienvenue au British Museum. Larry Daly, du musée d'histoire naturelle de New York. Ça doit être trop mortel de bosser dans la sécurité en américain avec vos flingues, avec les silencieux, avec les épées ninja. Sauf que tout ça est complètement bidon. Teddy, un homme précieux en cas de crise. Attila, ça aide les muscles. Papa ! Non, je suis pas ton papa. Oui, on se ressemble. Papa ! Pas touche.
Tu arrêtes. Ce musée va se réveiller pour la première fois et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je pense qu'on peut affirmer qu'on est dans de beaux draps. Besoin d'aide ? Sir Lancelot, à votre service. Theodore Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Ah, je n'ai carrément rien compris. Nous serons tous morts à l'aube. Nous disparaîtrons à jamais. Léa, ne panique pas, Attila. C'est notre dernier rodéo. Je suis à la fois dégoûté et reconnaissant. Ça va ! C'est pas la peine d'en rajouter. Est-ce que le singe est toujours le chef ? Il n'est pas le chef, on le suit tout simplement. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Ne jamais avoir peur d'un gros chat, Lorenz. Tu sais, tu m'auras pas en jouant au plus mignon, mon joli. La nuit au musée, le secret des pharaons. Tu sais ce que t'as à faire ? Reste. C'est ça, assure-toi qu'elle reste dedans. Feriez mieux de me laisser sortir. Qu'est-ce que vous regardez, hein ? Vous avez jamais vu une nana canon de votre vie ? Qu'aurait pu être mannequin si elle aimait pas les pizzas, point ? Le 4 février.